Eh bien voilà, il est 10 h, je pense que l'on peut commencer déjà en disant bonjour à vous. Bienvenue à la séance de rencontre organisée par le projet Interreg New Zealand. Merci pour votre inscription. Nous vous invitons à démarrer la séance directement. Goedemorgen en welkom op dit webinar georganiseerd door het New Zealand project, Interreg project. Mijn naam is Beatrice. We gaan ook meteen van start gaan. We gaan beginnen met het programma voor het komende uur en ik ga hiervoor het woord teruggeven aan Aricia. Au niveau du programme, il est simple. On va démarrer par la présentation du projet Interreg New Zealand. Ensuite viendra la présentation de l'entreprise Gramiterm et on va découvrir leur unité de production. Vous aurez tout le loisir de poser vos questions durant une séance de questions. On terminera ensuite par un petit mot de clôture. Quelques bonnes choses à savoir, donc prière de ne pas enregistrer ce webinaire, de ne pas le diffuser sans autorisation préalable des organisateurs et orateurs. Sachez qu'il y a un replay et les présentations aussi, donc ils vous seront envoyés après le webinaire. Voordat we van start gaan met de presentatie, nog een paar belangrijke punten om te vermelden. Neem dit webinar niet op. We gaan aan het einde van het webinar een mail sturen naar alle deelnemers met een link naar de replay van het webinar. Dus u zal alles zeker nog opnieuw kunnen bekijken. Gelieve ook de presentatie niet te verspreiden zonder eerst toestemming te vragen aan de organisatoren en de sprekers. Petite consigne pratique. Donc, il vous est possible de nous poser vos questions, que ce soit à Gramiterm ou New Zealand. Pour cela, utilisez l'onglet questions, si possible de préciser à qui elle s'adresse. Et on va gérer tout cela en fin de webinaire avec Sébastien Moreau d'Atrasol. On vous demandera ensuite quelques petites secondes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction en vue de nous améliorer un peu plus à chaque fois. Donc, ça sera via l'onglet sondage. U kan het programma Livestorm gebruiken via de vier actieknoppen dat u rechtsboven in het scherm kan terugvinden. Als u een vraag hebt voor een van de sprekers, kan dat via de knop Question of Vragen. Gelieve dan ook te vermelden of dat het een vraag is naar Gramiterm of een vraag naar het New Zealand team. De antwoorden zullen gegeven worden aan het einde van het webinar tijdens onze vraag- en antwoordsessie. Ik wil jullie ook vragen om nog een minuutje tijd te nemen om de tevredenheidsenquête in te vullen. We zullen hiervoor ook nog de nodige tijd geven aan het einde van het webinar en dit kan via de knop sondage. We gaan dus nu over naar de presentatie van het New Zealand project en ik zal jullie in grote lijnen wat meer uitleg geven over de inhoud van dit project. Dus het New Zealand project is een grensoverschrijdend project over de regio's Vlaanderen, Wallonië en de regio Hauts-de-France in het noorden van Frankrijk. Binnen het project willen wij biogebaseerde en grensoverschrijdende waardeketens ontwikkelen, gebruikmakende van biomassa afkomstig van onderbenutte sites. En ik zal zo meteen meer uitleg geven over de biomassa en deze onderbenutte sites. We werken op basis van vier prioritaire assen. Ten eerste willen wij de grensoverschrijdende samenwerking op gebied van onderzoek en innovatie ondersteunen en verbeteren. We willen ook het grensoverschrijdend concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen vergroten. Een derde pijler is de bescherming en de valorisatie van het milieu. En we gaan hiervoor een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende. We gaan hiervoor te werk via een geïntegreerd beheer, sorry, van grensoverschrijdende hulpbronnen. En tenslotte willen wij ook de cohesie en de maatschappelijke in de gemeenschappelijke identiteit van de grensoverschrijdende gebieden bevorderen.
Binnen het project werken we met 9 partners. U kan meer informatie over het New Zealand project terugvinden via onze website www.newzealand.eu. Dus ik vertelde hier net dat wij biomassa-waardeketens willen ontwikkelen, gebruikmakende van onderbenutte gronden. Nu, wat is biomassa? Wat verstaan wij hieronder? Dat zijn plantaardige gewassen die kunnen gebruikt worden om energie te produceren of om materialen te produceren. En wat is nu een marginale site? Dat is een onderbenutte site dat niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een bouwproject of voor de teelt van voedingsgewassen, maar dat wel gevaloriseerd kan worden voor de teelt van non-foodgewassen voor biomassaproductie. En eens dat die site gevaloriseerd wordt, dan verliest hij eigenlijk zijn marginale karakter en wordt er een economische en ecologische kans gecreëerd voor de grondeigenaar. We gaan dan ook niet meer spreken over een marginale site, maar een site met biomassapotentieel. Met biomassaproductiepotentieel, sorry. Voilà, en er bestaan... er bestaan dus verschillende types sites die... vallen onder de term site met biomassaproductiepotentieel. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verlaten site, een site met moeilijke toegang, bijvoorbeeld voor grote landbouwmachines. Het kan gaan over verarmde gronden of over vervuilde gronden, ook over overstromingsgebieden. Het kan gaan over een site in de nabijheid van een... van een kwetsbare infrastructuur, zoals een school of een rusthuis. Het kan ook gaan over een site dat tijdelijk niet gebruikt wordt, of een site met risico voor erosie. Ook bermen langs snelwegen, waterwegen en spoorwegen vallen onder de term site met biomassaproductiepotentieel. Oké, en eens dat we de site hebben, wat gaan we dus biomassa gewassen aanplanten? Welke type gewassen vallen hieronder? Er zijn 3 type gewassen die wij gaan gebruiken in het project. Een eerste zijn de houtachtige gewassen. We denken hierbij aan wilg, populier, els of robinia. Een tweede type zijn de kruidachtige gewassen. En we denken hierbij aan de kruisbloemigen, de grassen en de vlinderbloemigen. Ten slotte gaan we ook gebruik maken van de lignocellulose gewassen, zoals miscanthus en hennep. En bij de keuze van een gewas gaan we altijd kijken naar de impact van de teelt op biodiversiteit, op klimaat en op het milieu. Als we de biomassa geproduceerd hebben, moet deze natuurlijk ook gebruikt worden. En er zijn verschillende sectoren waar de biomassa kan gebruikt worden. Een eerste is de bioenergiesector. Biomassa kan gaan voor biomethanisering als biobrandstof kan gebruikt worden als energiehout. Ook in de ecologische bouwsector wordt de biomassa gebruikt, bijvoorbeeld om isolatiemateriaal te maken. Daar zal Gramiterne straks ook meer uitleg over geven. Het kan ook gebruikt worden voor andere bouwmaterialen. Ook het beheer van groene ruimte in de tuinbouwsector, de landbouwsector, wordt biomassa gebruikt. Denk maar aan mulch, om op een duurzame manier onkruid te bestrijden in bloemperken. De bioraffinagesector maakt ook gebruik van biomassa. Denk maar aan het extraheren van waardevolle moleculen zoals lignine uit hout. En tenslotte ook de textielsector maakt gebruik van de biomassa, zoals vezels voor kleding uit hennep en uit vlas. En hoe wij nu in de praktijk te werk gaan om deze waardeketens tot stand te brengen, daarover gaat u zo meteen meer horen en ik ga hiervoor het woord teruggeven aan Aricia. Merci Béatrice. Donc voilà, ma collègue vous a donc présenté le programme Interreg et les objectifs de New Zealand. Je vais maintenant aborder, vous expliquer comment nous travaillons pour mettre tout cela en œuvre. Il y a tout d'abord cette séance de rencontre, donc ce sont des événements réfléchis par l'équipe afin d'informer d'une part les entreprises sur la biomasse, donc comment elle est utilisée en énergie,
matériaux. Donc, c'est ce que l'on nomme l'économie biobasée. Mais c'est aussi pour informer les entreprises qui utilisent déjà la biomasse qu'elles peuvent utiliser de la matière première végétale qui serait produite localement sur des sites marginaux à potentiel de production. Derrière tout ça, ce sont des opportunités socio-économiques et écologiques. Prenons par exemple le fait d'utiliser localement de la matière. On diminue les coûts de transport, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. Il s'agit aussi d'une promotion d'une dynamique locale. Donc, c'est produire localement, durablement, avec un usage local. On relocalise aussi, du coup, les emplois sur nos territoires. Et enfin, on diminue le conflit d'usage des sols lié au logement, à la sécurité alimentaire et à la biodiversité. Donc, ces séances de rencontres permettent d'informer, d'initier quelque chose de concret avec les entreprises aval, on va dire. C'est une des missions de New Zealand. Mais il faut savoir aussi que parmi les personnes inscrites à ce webinaire, vous avez des propriétaires fonciers intéressés par la démarche. Vous avez aussi des gestionnaires de territoire comme les communes. Donc, concrètement, c'est pour aussi leur montrer l'usage que l'on fait de la biomasse qui serait produite sur l'un de leurs terrains. On aimerait aussi vous dire qu'il y a tout un travail de cartographie géoréférencement qui est effectué avec ses propriétaires, ses gestionnaires. C'est un travail qui est soit réalisé ou en cours. Donc, c'est tout un travail en amont qui permet de géoréférencer des sites réellement disponibles pour l'économie biobasée. En gros, voyez à quoi ça ressemble. Vous allez sur sitesforbiomass.eu. Là, vous pouvez voir les sites mis à disposition. Mais vous pouvez aussi, via l'onglet gestionnaire de site, encoder vous-même les terrains que vous souhaitez mettre à disposition. En tant qu'entreprise aussi, que vous soyez au niveau de la plantation, de la récolte, mais aussi de l'usage de la biomasse, vous pouvez aussi montrer votre intérêt à l'usage des sites marginaux en encodant votre entreprise. Alors, aujourd'hui, il s'agit de la deuxième séance de rencontre. Elle se fait en entreprise, chez Gramiterm. C'est une séance pour illustrer, par un exemple concret, où la biomasse peut être utilisée et pourquoi. Sachez que la première séance de rencontre, elle se faisait sur un site marginal. C'était pour se rendre compte d'un cas de figure réel. Suite à cela, il y a eu donc une mise à disposition de ce terrain pour un projet biomasse et un appel à projet a pu être réalisé. On est fiers aujourd'hui de vous dire qu'un projet donc, va se concrétiser dans les prochains mois. Je vous invite à aller voir cette actualité sur notre site newzealand.eu pour en savoir davantage. Je laisse maintenant la parole à Christian Hogman de l'entreprise Gramiterm qui va nous faire découvrir son unité de production. Eh bien, un grand bonjour virtuel à tous de la part de toute l'équipe de Gramiterm. Goeie morgen allemaal and welcome bij Gramiterm. Je suis très heureux de vous inviter dans mon entreprise et de parcourir un petit peu ensemble notre projet. Tout d'abord, le produit Gramiterm, c'est un panneau d'isolation thermique qui est fait avec de la fibre d'herbe. Donc, Gramiterm est à l'origine une technologie qui a été créée en Suisse, que j'ai reprise il y a maintenant quelques années, et nous sommes très fiers d'avoir réussi à construire cette première usine propriétaire de Gramiterm ici à Sambreville, en Wallonie. À Gramiterm, ce panneau, on va regarder quelles sont les caractéristiques principales. Je ne vais pas vous faire un cours trop long sur le produit lui-même. Je voudrais simplement que tous vous reteniez quatre points sur le panneau Gramiterm et les panneaux biosourcés d'isolation. Le premier point important, c'est un bon isolant contre le froid.
mais Gramiterme, comme ses copains biosourcés, sont des bons isolants contre le chaud, contre les chaleurs d'été. C'est un point important par rapport à l'évolution climatique. Et grâce à ces panneaux, on va bloquer le transfert de chaleur à l'intérieur des bâtiments pendant un certain nombre d'heures, ce qui effectivement permet de réduire les usages de climatisation. Donc le panneau biosourcé, Gramiterme, s'inscrit comme un bon isolant généraliste. Premier point. Deuxième point, ce marché se développe parce que la nature fait bien les choses. Les panneaux biosourcés ont une capacité absolument extraordinaire à réguler l'humidité. Quand je dis réguler l'humidité, ces panneaux vont être capables d'absorber de l'humidité une fois installés et de rejeter l'eau, l'humidité, dans une atmosphère sèche. Et si je vous dis ça, c'est hyper important parce que la longueur et l'efficacité thermique dans le temps est drivée par cette capacité hygrométrique. Un panneau qui respire est un panneau qui va être efficace thermiquement très longtemps dans une maison et c'est un des gros avantages du marché biosourcé. Enfin, troisièmement, on est aussi un très bon absorbeur phonique. Donc, il faut savoir que quand on pose Gramiterme dans des maisons ossature bois, dans des structures bois, on va contribuer à donner un confort intérieur, un confort acoustique par diminution de la réverbération des sons. Tout ça est important dans le monde actuel, dans le confort et dans effectivement les efficacités de bâtiments. Et enfin, si toute l'équipe Gramiterme porte ce projet, c'est parce que le bilan carbone du produit est négatif. Gramiterme est un exemple de panneau pour le bâtiment, mais qui est bon également pour la planète, puisque notre bilan carbone est négatif. On mange plus de carbone qu'on en rejette dans l'atmosphère. Et c'est ainsi que l'on se positionne aujourd'hui, non pas uniquement comme un fabricant de panneaux, mais on est fier chez Gramiterme d'être en fait un transformateur de biomasse déchets, d'une biomasse perdue, et de la transformer en un panneau, un matériau pour le bâtiment à usage de l'isolation. C'est ça en fait qui nous pousse tous les matins à nous lever. Pour revenir un petit peu sur le comment ça marche, eh bien vous avez une slide assez simple qui explique que nous utilisons chez Gramiterme de l'herbe. Donc on coupe de l'herbe perdue, j'insiste, c'est de l'herbe déchet. Jamais nous ne prenons de l'herbe qui a pour destination l'alimentation animale, le fourrage animal. On travaille qu'avec de l'herbe qui n'est aujourd'hui pas valorisée. On prend cette biomasse, on va la couper, on va faire comme à la ferme, on va la mettre en ensilage. Et une fois qu'on a le matériau ensilé, on va, grâce à notre technologie, séparer les deux phases. On va effectivement avoir une phase liquide de l'herbe. Cette phase liquide, elle comprend toutes les parties riches, donc les acides aminés, les sucres, toute la richesse et toute la partie digestible de l'herbe. Et bien, ce jus d'herbe, on va l'utiliser comme complément dans les installations de biogaz. Et cela va effectivement nous permettre de créer de l'énergie et de récupérer de la chaleur pour ensuite travailler sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la matière solide de l'herbe, la fibre, la cellulose, et cette espèce de cake que l'on va connecter, eh bien en fait on va le travailler, le laver, lui rajouter certains additifs, et surtout on va le sécher. Et pour sécher, on a besoin de beaucoup d'énergie, sécher de la fibre, et grâce au biogaz, on va récupérer l'énergie dont on a besoin de manière très simple, est relativement économique et donc avec un cercle vertueux de production. Voilà ce qui est important. Donc on utilise de l'herbe perdue, on la sépare en liquide et en solide, et le solide, on a de la fibre qui ressemble à ça. Ça, c'est la fibre d'herbe naturelle et on va en utiliser plus de 70% dans la composition de nos panneaux Gramiterme. Voilà ce qui arrive ici dans cette usine, dans des balles
c'est déchargé et c'est mis dans les machines que je vous montre tout de suite. Et là, pour vous visualiser un petit peu ce travail de l'herbe, de la collecte, on va vous passer un petit film Grasse-Goutte, dans lequel c'est un interreg, un projet interreg, avec lequel Gramiterm a travaillé pendant quelques temps. Et ce film est en néerlandais pour nos amis français. Voilà, donc ça va vous permettre de voir un petit peu comment tout ça se travaille concrètement. Un de film, Grasse-Goutte is in Nederlands, voor onze Nederlandstalige vrienden. Ok. Het is zeer belangrijk dat wij deze graslanden dat we die maaien, want die hebben een landbouwverleden. Hier is kunstmest op uitgespreid en wij zouden toch graag meer bloemen in de graslanden hebben dan enkel grassen. En het probleem is, omdat hier kunstmest is uitgestrooid, dan gaan die grassen hard groeien en duwen die eigenlijk die kruiden en die bloemen weg. En door dat jaarlijks te maaien, voeren wij hier de voedingsstoffen af en komt er terug echt ruimte voor, ja, voor margrieten, maar even voor viooltjes en zelfs de zeldzame orchideeën. Met Grasgoutte willen we eigenlijk gaan kijken van kunnen we van het gras dat vandaag nog te veel gezien wordt als een afvalstof, kunnen we dit alles nog nuttig gaan inzetten? En dit als een grondstof, als basis voor verschillende biobased producten. Wat we zoal kunnen maken van het gras is deze isolatiemat. Deze bestaat maar liefst voor 70% uit natuurgras. Dat betekent dat je bijvoorbeeld van een hectare grasland, zoals we het achter ons zien, dat we daar ongeveer 2 à 3 woningen van kunnen gaan isoleren. Duurzaam isoleren, want het is een heel duurzaam alternatief in vergelijking met glas en steenwol. We zijn daar aangepaste maai- en transportmachines voor gaan ontwikkelen. Die machines zorgen er eigenlijk voor dat we het maaisel sneller en efficiënter uit het gebied kunnen halen. En daarbij ook wel de kwaliteit van het gras kunnen bewaren. Met Grasgroep proberen we zoveel mogelijk lokale en regionale productieketens op gang te zetten, ook in de provincie Antwerpen. Hun rol is daarbij van groot belang geweest om ons ook in contact te brengen met andere partijen die bezig zijn met het onderwerp. Met de Europese Green Deal streeft Europa ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, met als belangrijkste doelen om een circulaire economie te creëren en de biodiversiteit in Europa te verhogen. Met Grasgoutte gaan we groene, hernieuwbare grondstoffen inzetten ter vervanging van fossiele grondstoffen. Circulaire economie creëren. De koolstof die in het gras is opgeslagen, wordt voor een langere tijd bewaard in de producten. En niet onbelangrijk is dat we ook een positieve waarde gaan toekennen aan het natuurgras, waardoor dat we kansen krijgen om meer natuur te creëren, betere natuur, een hogere biodiversiteit. En dat baat ook het klimaat, want de natuur kan heel veel CO2 opslaan en is een ware klimaatbuffer. Maaien is absoluut zeer nuttig voor insecten. Heel belangrijk is voor de insecten is dat het zonlicht terug aan de bodem kan komen. En dit is eigenlijk het resultaat van 20 jaar maaien. Waarbij dat we eigenlijk ja, die grassen die we daarnet benoemd hebben, zoals raagras en witbol en kropaar, eigenlijk nog maar nauwelijks zien. En dat de vegetatie eigenlijk overgenomen is door reukgras en er eigenlijk heel veel kruiden en bloemen. Voilà, merci pour ces petites images qui montrent effectivement la collecte et le travail d'herbe. J'en profite rapidement pour dire combien les projets Interreg, donc Grasgoutte dans le passé, New Zealand aujourd'hui, sont importants pour aider les industriels dans la bioéconomie. Il faut savoir effectivement que la filière herbe est en train de se structurer dans bon nombre de pays en Europe du Nord, mais également, je sais que certains amis français y travaillent d'arrache-pied également. Et la filière herbe ne peut se faire et ne peut se travailler qu'avec l'aide de tous ces projets Interreg et de toutes ces compétences qui nous permettent d'avoir un accès matière première sécurisé et de qualité. Voilà. Ensuite, quand toutes ces balles d'herbe arrivent dans notre usine, ici à Auvelay, Sambreville, eh bien, on va passer dans une technologie qui s'appelle Airlay,
C'est un grand mot pour vous dire qu'en fait, on a ici une nappeuse industrielle. On fait de la nappe avec différentes épaisseurs, puisque les panneaux isolants vont aller de 45 mm à 240 mm, selon les besoins et les résistances thermiques que l'on va devoir donner sur les chantiers. Et l'on va mélanger en fait toutes ces fibres dans des grandes machines d'ouverture. Et ensuite, tout ça va passer dans une formation du matelas de la nappe. Et vous allez le voir un petit peu plus tard par vidéo. Et puis, on va passer ces matelas dans un four de thermoformage qui va venir effectivement bloquer les fibres entre elles. On va venir refroidir, couper les panneaux aux dimensions standards du marché. Et tous ces panneaux ensuite sont mis sur palette et partent directement sur les chantiers et dans les bâtiments. Voilà, donc c'est une technologie qui est issue du métier textile, du nappage, que l'on a travaillé, que l'on a adapté aux besoins de fibres d'herbe et qui nous permet aujourd'hui de faire des panneaux biosourcés avec une technologie qui est connue et qui donne de très très bons résultats en stabilité de production. Je vous donne aussi quelques petites informations, puisqu'on parle de bilan carbone négatif, et à ce titre, Gramiterm a la grande chance d'être une solution labellisée Solar Impulse, puisqu'effectivement, on a une solution qui maintenant est bien validée et démontre que l'on absorbe plus de carbone. Eh bien, il faut savoir que la matière première, l'herbe, est une biomasse qui a le cycle de reconstitution le plus court, le plus rapide, ce qui est effectivement un facteur extrêmement intéressant sur la capacité à absorber du CO2 dans un laps de temps très court. Et vous voyez que pour un kilo de Gramiterm, un kilo de produit, de panneaux, en fait, on absorbe 2,08 kg de CO2 équivalent rien que par le travail et l'usage de fibres d'herbe naturelles. Et puis ensuite, on va travailler au niveau ici, au niveau de nos défibrages, au niveau de la production. Et là, on va rejeter 0,675 kg équivalent de CO2 parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a, voilà, il y a de l'apport de ces panneaux sur les chantiers. Et donc, effectivement, on rejette un minimum de CO2 dans l'atmosphère. Le bilan carbone est donc bien d'un kilo de Gramiterm absorbe 1,5 kg de CO2 équivalent. Voilà, c'est un message important, parce que ça veut dire qu'on peut utiliser une biomasse perdue, la valoriser, la travailler industriellement, arriver à faire un produit qui finalement a des caractéristiques techniques valables et qui en plus participe de manière positive pour notre planète. Je vous montre, pour votre info, quelques chantiers réalisés. Vous avez là un chantier qui est en cours sur Ytre, dans le Brabant wallon. Vieille ferme rénovée du 17e, vieille grange rénovée du 17e siècle. Et on travaille tous ces produits biosourcés, donc Gramiterm, et notamment en combinaison avec des blocs de béton de chanvre qui viennent d'une société ici aussi, belge, Isoem. C'est un message important, le biosourcé se travaille de plus en plus en combinaison avec d'autres produits biosourcés. Il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions constructives qui sont à mettre en place. Vous avez là, on refait pas mal de rénovations également de maisons aux Pays-Bas. Et vous avez là effectivement la structure bois et toute l'isolation intérieure-extérieure du bâtiment. Vous avez également Gramiterm étant né en Suisse, on a une présence en Suisse dans le Valais où on fait du chalet bois pour effectivement travailler aussi bien les rampants que les toitures. On pose beaucoup de produits biosourcés en toiture parce que on a un très bon temps de déphasage. Je vous l'ai dit, on va isoler contre le chaud. Donc, poser du biosourcé en toiture est un élément absolument clé. Et puis là, on a fait aussi un gros chantier en France, en Haute-Savoie. Et je vais vous passer juste une petite vidéo toute simple, mais qui vous montre la facilité de travail de découpe des panneaux biosourcés.
Et je vais vous la commenter quand la vidéo arrive. Le panneau est on met donc nos panneaux au sol et on fait ce qu'on appelle une prise de cote. Hein. Donc là, vous allez voir que l'on va couper ce panneau. On va simplement d'abord effectivement faire la cote. On va le retourner sur sa partie, sur son côté. Et j'insiste avec une scie alligator à lame ondulée. Donc ne jamais utiliser de dents crantées, puisque ça abîme la découpe des panneaux. On va couper aisément ces panneaux. Vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Pas besoin de gants ni de masques, si ce n'est pour les raisons de Covid. Et puis, on a également une installation de ces panneaux qui se fait exactement comme les panneaux de la vieille industrie, donc de la laine minérale. On va pouvoir les travailler. Avec un avantage, c'est que les panneaux ont un effet de rebond, de ressort. Vous voyez qu'on est capable de bien les colmater et que les panneaux gramithermes vont revenir pour éviter tous les ponts thermiques sur les chantiers. Ça vous donne un petit exemple, en tous les cas, de technique de pose de gramitherme. Alors, j'avance pour rester dans les temps. Pour vous dire que vous êtes aujourd'hui ici, chez nous, à Auvelay-Sambreville, que nous sommes maintenant en opération depuis le début de cette année, avec un cycle de production et de commercialisation de produits. Nous avons démarré notre installation ici en juillet 2019, et je tiens tout particulièrement à remercier tout l'écosystème qui nous a accueillis, donc en particulier l'ADL de Sambreville, bien sûr Valbium, présent depuis le début, le cluster éco-construction, la ville de Sambreville, bien sûr, et toute la partie région wallonne qui est derrière ce projet. Et tous ces supports, on ne serait jamais arrivé à démarrer. Voilà donc l'usine, vous avez une photo. Et puis maintenant, j'ouvre la porte de l'usine et en tous les cas, je vous laisse tous entrer pour voir un petit peu ce qu'est l'installation de gramitherme et puis répondre à toutes vos questions. Dans cet ancien bâtiment industriel d'Auvelay, c'est une toute nouvelle pépite wallonne qui vient d'éclore. Elle fabrique un panneau isolant écologique capable de durer 50 ans avec de très bonnes performances techniques. Toute l'histoire commence avec de l'herbe. Tiens, on parle de quel genre d'herbe en fait ? Il s'agit d'herbe des prairies, de l'herbe naturelle qui est aujourd'hui une biomasse déchets non valorisés. Donc, cette herbe qui vient ici de l'entretien de zones humides aux Pays-Bas est d'abord traitée pour en extraire le jus. Un jus qui est directement utilisé pour fabriquer du biogaz. Ce qui reste, c'est de la fibre d'herbe séchée et c'est elle qui arrive dans l'usine Gramitherme. Ici à Auvelay, on a une nappeuse industrielle. Et qui dit nappeuse industrielle dit mélange de fibres. Et on va mélanger trois natures de fibres différentes. Donc beaucoup de fibres d'herbe, un peu de fibres de jute qui provient du recyclage de sacs de café et un tout petit peu de fibres polyester sont mélangées dans cette grande machine avant d'être thermoformées et découpées pour en faire des panneaux isolants écologiques. Ils viennent d'obtenir le label biosourcé ainsi que le label Solar Impulse. Gramitherme, c'est d'abord la garantie d'une efficacité thermique à haute performance. Le panneau protège non seulement contre le froid, mais aussi contre le chaud et contre le bruit. Il va d'ailleurs être utilisé dans les murs anti-bruit des autoroutes. Pas mal, hein, pour un matelas en herbe. Et tout ça fabriqué chez nous. Car si le brevet racheté par Christian vient de Suisse, c'est bien la Wallonie qui s'est imposée pour la production. La Wallonie est en pointe dans le secteur du biosourcé. Donc il y a une vraie connaissance, une vraie intelligence pour la bioéconomie et pour les matériaux biosourcés. C'est excessivement important pour nous parce que ça nous permet d'intégrer un réseau.
Dans ce réseau, on retrouve le cluster éco-construction, le bureau économique de la province et deux invests régionaux pour financer l'investissement. 2 millions d'euros tout de même. Aujourd'hui, 15 personnes à temps plein s'activent autour de la chaîne de production qui a passé le cap du Covid. On était en pleine phase de démarrage quand il y a eu la période de confinement. Bon, priorité, bien sûr, c'est le personnel. On a arrêté au mois d'avril pour pouvoir repenser les postes de production où on n'était pas capable d'avoir la distanciation sociale. Aujourd'hui, les modifications sont faites et on tourne depuis le début du mois de mai à fond. Une usine qui tourne à fond pour un produit à haute valeur écologique dans un vieux bâtiment ainsi revalorisé et avec une chaîne d'approvisionnement et une zone de chalandise locale. Voilà bien les ingrédients d'une relance verte que nous sommes nombreux à souhaiter. Surtout quand une solide équipe du coin se retrousse les manches avec enthousiasme. Voilà, donc cela vous donne en tous les cas, j'espère, une bonne petite idée des équipements et des machines qui sont ici présentes à Sambreville. Bon, c'est une visite virtuelle, mais qui sera bientôt remplacée, je l'espère, par une visite physique hein, pour tous ceux qui sont intéressés. Je voulais aussi, en conclusion, vous dire deux, trois mots. Le premier message est que, je le répète, nous sommes pas uniquement producteurs de panneaux, mais nous sommes dans une logique de transformation d'une biomasse en produit pour la construction. Autrement dit, Gramiterme est un exemple pratique, et la route est encore longue, mais on est un exemple pratique de bioéconomie. On s'insère dans cette logique et nous sommes des transformateurs. On essaye à chaque fois, et c'est le deuxième message, de tout faire pour être le plus possible en circuit court. Travailler la biomasse, c'est bien. Le faire dans des circuits courts, c'est encore mieux. Nous avons effectivement reçu depuis peu de temps le label produit biosourcé, filière wallonne. C'est évidemment un argument marketing, mais c'est surtout la garantie que tout ce qui sort de l'usine ici de Sambreville, les fibres, les palettes, tout ce qu'on a besoin pour faire Gramiterme, tout cela doit venir à moins de 300 km du site impérativement. Et c'est audité. Autrement dit, on fait de la récupération de biomasse, on fait du circuit court, et il est maintenant stratégique et primordial effectivement d'aller vers la présence locale et vers le montage d'une filière herbe dans cette région. Voilà. Donc, circulaire économie is sehr belangrijk voor Gramiterme. Wij nemen graswezels en wij produceren isolatiepaneel. Dat gaat. Maar het is zeer belangrijk dat deze graswezels van direct van België of van Nederland komen. Er is geen business voor Gramiterme met lange en vele transporten, kosten, dat gaat niet. Gramiterme is een globaal concept. Er is gras in Canada, in Europa, in Russie. Maar wij moeten werken altijd in een regionaal concept, ecosysteem. Dat is zeer belangrijk voor Gramiterme en voor onze productontwikkeling. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je veux aussi vous dire que Gramiterme n'est toujours qu'un des projets qui s'intègrent dans la filière. Il faut savoir que la tasse de café qui est ici sur mon bureau, elle est en fibre d'herbe. Il faut savoir que le mémo, le petit book sur lequel on prend des notes,
c'est du papier à fibre d'herbe. Autrement dit, la filière herbe, la structuration de la fibre d'herbe est en marche. Gramiterm est un des exemples et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour aller dans toute cette direction et faire changer un tout petit peu la vieille industrie et faire comprendre que la laine minérale a quelque part ses limites et que les biosourcés aujourd'hui sont des produits positifs qui peuvent contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie et surtout à la valorisation des biomasses et des sites qui sont non valorisés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde mon chrono, je suis à la seconde près dans le timing. Et donc, je suis très heureux de vous avoir reçu virtuellement ce matin chez Gramiterm. Et on est disponible pour répondre, je pense, à toutes vos questions. Dankuwel, merci. Bonjour à tous. Donc, nous allons essayer de répondre à un maximum de questions durant le temps qu'on a. Alors, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra par écrit et on vous communiquera les résultats, enfin, les réponses par email par la suite. Alors, on va choisir les questions par ordre de vote. Donc, vous pouvez voter pour les questions. Il est encore temps de poser vos questions si vous le voulez. Alors, on va commencer par une première question pour Gramiterm. Quels sont les additifs utilisés dans la production des panneaux? Christian, je vous laisse la parole. Alors, nos panneaux comprennent exactement 72% de fibres d'herbe, telles que je vous l'ai présentées, herbes naturelles à proximité de l'usine. Nous rajoutons 20% de fibres de jute. La fibre de jute est recyclée et on utilise des sacs de cacao du port d'Anvers que l'on broie et que l'on défibre pour pouvoir ajouter de la fibre longue à une fibre d'herbe qui est naturellement assez courte. Et si vous êtes bon en mathématiques, 72 plus 20, ça fait 92%. Il y a 8% de fibres de liaison. Alors, nous avons aujourd'hui en standard une fibre de liaison base carbone. Donc, il reste encore 8% de chimie dans la fabrication du panneau Gramiterm. Et c'est cette fibre qui va venir, en fait, coller, solidifier les panneaux pour leur donner une garantie de vie supérieure à 50 ans. C'est une question qu'on me pose souvent. On peut également remplacer les fibres de liaison carbone par des fibres naturelles à base d'amidon type PLA, hein, polyactique. Et on fait des tests aujourd'hui à l'usine et on fait même des panneaux qui utilisent aujourd'hui de la fibre entièrement naturelle en liaison avec un seul souci, un seul point à régler. C'est la fibre d'amidon ne résiste pas suffisamment bien à l'humidité dans le temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle on continue, comme toute l'industrie du bois, du chanvre, du lin, à travailler des fibres de liaison basse carbone. Voilà, donc 72% herbe, 20% jute et 8% de base carbone, donc de chimie transformable en PLA, amidon, si demande il y a. Merci Christian. Nu in vraag in het Nederlands, voor Gramiterm. Wat zijn de kwaliteitsparameters voor het gras dat jullie wensen te gebruiken? Bijvoorbeeld met betrekking tot minimaal verzelengte, maximaal zandgehalte enzovoort. Kan zowel gras dat gekelpeld meid werd gebruikt, worden als gras dat gecirkeld meid werd? Ok, so vorans gras wezels, natuurlijk, ik kan niet alle details geven, dat is onze technologie, maar het is belangrijk de droog te controleren. So wij nemen gras wezels met een specifiek droog percentage. En dat is tussen 10 en 15%
water. So dat is één sterke punt. Tweede punt is ook een graswezels met een specifieke diameter. En wij nemen lange of korte wezels, maar het is niet mogelijk te korte wezels te gebruiken. Stof is niet interessant voor onze RLE-technologie. So, dat is de tweede punt. En wij zijn in de constructie, in het gebouwsector. So, onze panelen zijn ook getraiteerd met het brandweer. Wij zijn Euroclass E, brandklasse. En het is ook belangrijk voor ons een additief tegen brand. Dat is de drie sterke punten voor Gramitherm. Merci Christian. Dank je Christian. Een andere vraag in het Nederlands voor u, Gramitherm. Is er in het project ook naar de recycleerbaarheid van de isolatieplaten gekeken? Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn in onze fabriek met een recyclageproces, en dat is al geïnstalleerd op onze lijn. Wij snijden de panelen. En wij hebben waste, panelen, en dat is gerecycleerd in ons fabriek. Elke morgen, wij starten de lijn en wij nemen slechte panelen of recyclagepanelen om de lijn te starten. En nu, wij zijn in discussie, en dat is niet in België, maar dat is met Holland. Wij zijn in discussie voor een cradle-to-cradle systeem te werken. En wij zijn nu met onze distributeur in de Nederland aan een discussie om na 50 jaar de paneel te recupereren en deze paneel hier terugnemen in onze fabriek en wij kunnen deze panelen recycleren. So, dat is een project, dat is nog niet een realiteit, maar wij werken elke dag om een cradle-to-cradle systeem te implementeren en onze panelen te recycleren. Maar wij zijn aan het recyclage van panelen elke dag hier in het fabriek. Dat is zeer, zeer belangrijk om een economie-circulair model te bouwen en ook om de recyclage van de panelen te werken. Ja. Dank u wel. Maintenant, une question en français pour le projet New Zealand. Donc, Aricia, comment puis-je savoir que je suis en possession d'un site marginal? Eh bien, comme Béatrice a pu le définir dans une DIA, en fait, il s'agit de voir si ce site n'a pas d'intérêt en termes de projet immobilier, ce site aussi est écarté pour la production alimentaire. Et troisième élément très important, est-ce que il y a une haute valeur de biodiversité à préserver également? Donc, on va plutôt se diriger vers des terrains où la reconversion est aussi techniquement possible, faisable pour un projet de biomasse, donc laisser un accès aux différentes machines, un accès temporel aussi, même si on peut travailler avec des espèces végétales annuelles, il s'agit quand même de s'inscrire sur du
du moyen terme également. Et alors, on vous a illustré au travers de différents pictogrammes les différents sites marginaux que l'on considère également. Merci, Aricia. Alors, nous avons maintenant une question de Andrea Rossi, de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Alors, comment combinez-vous, donc pour Gramiterme, pardon, comment combinez-vous cette industrie à base d'herbes avec l'agriculture, l'élevage? Privilégiez-vous les surfaces prairiales qui n'impactent pas les zones agricoles, entre parenthèses, pelouse, aéroport, pelouse, parc et jardin, pelouse particulier via Recyparc? Merci. Oui, c'est ça. Voilà, il y a déjà des éléments de réponse dans la question. En fait, nous, on utilise de l'herbe qui, encore une fois, je le répète, n'est pas valorisée aujourd'hui. Donc, pour faire des exemples concrets, les panneaux qui tournent là aujourd'hui à l'usine viennent de l'entretien des canaux en zone humide. Ça donne un exemple. On a 348 km de canaux à entretenir au nord d'Anvers. Donc ça vous donne par exemple un exemple, et c'est une très très bonne biomasse, très pure. Il faut savoir que l'herbe qui grandit en zone humide n'est pas suffisamment riche pour l'alimentation animale, mais un très bon taux de fibres, donc on va pouvoir l'utiliser. On peut éventuellement travailler aussi de l'herbe par rapport à la question des agriculteurs, de l'herbe qui peut être en exploitation temporaire. Donc, parfois, certains agriculteurs viennent à planter de l'herbe entre deux cultures. On peut l'utiliser. Voilà, ça peut être une valorisation aussi de cette matière première. Et puis, j'ai entendu effectivement les aéroports, les zones portuaires. Il faut savoir, par exemple, que on travaille avec l'aéroport d'Amsterdam, l'aéroport de Schiphol. On travaille et on collecte effectivement la biomasse. On est en discussion avec le port d'Amsterdam pour exactement le même sujet. Et donc, ce sont toutes des pistes qui peuvent être regardées au niveau de la région wallonne pour monter à terme un approvisionnement extrêmement local par rapport à notre production. Merci. Nous avons maintenant une question de Fabienne Mollard. Pour Gramiterme, je pense, recherchez-vous d'autres endroits pour vous implanter? Oui, on cherche d'autres endroits pour nous implanter et on est en discussion active avec certaines régions. Je précise bien, et je le répète, Gramiterme n'a pas vocation à avoir une très grosse unité pour desservir toute l'Europe. Ça n'a pas de sens, puisque nous sommes confrontés à devoir travailler de la fibre d'herbe, et vous savez que l'herbe ne se transporte pas. L'herbe, c'est de l'eau, donc c'est économiquement et écologiquement pas viable de transporter de l'eau. Et quand vous verrez nos panneaux, c'est 40 kg de densité, 40 kg cubes. Vous allez voir que ce sont des panneaux très légers. Donc, quand vous mettez ça dans un camion, vous mettez très peu de panneaux dans un camion, et donc on transporte de l'air, ce qui n'est, une fois de plus, ni économiquement ni écologiquement viable. Donc, le modèle de Gramiterme est de s'implanter en usine et de prendre de l'herbe à proximité pour le marché à proximité. Autrement dit, on estime qu'on a, à partir d'Auvelay, on a un marché qui peut être dans un rayon de 400 à 500 km. Au-delà, eh bien, on prévoit effectivement de faire d'autres unités et nous sommes en discussion active sur les Pays-Bas, des contacts sont pris sur la France et on discute également en dehors de l'Europe pour dupliquer notre business model. Mais chaque fois, le point le plus important est d'être dans un écosystème, il nous faut de l'herbe, il nous faut des compétences pour défibrer. Et il nous faut effectivement avoir tout un écosystème prêt à accompagner Gramiterme. Merci Christian. Alors maintenant, nous avons une question de Bertrand Antonet qui est très intéressante parce qu'elle met vraiment en relation le projet New Zealand et Gramiterme. Alors c'est une question de Gramiterme.
y a-t-il une sensibilité à la pollution des sols? Et avez-vous suffisamment d'herbes ou en cherchez-vous? Alors, je commence par la deuxième partie. On a besoin aujourd'hui de plus de fibres d'herbe que ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc, de l'herbe non valorisée, il y en a beaucoup. Donc, c'est des millions de tonnes qui peuvent être coupées chaque année par des associations, des organismes de collecte ou des groupes privés. Donc, la quantité d'herbe est largement suffisante pour nos besoins. Si vous prenez une association hollandaise comme Nature Monument, ce sont des gens qui coupent 1,5 million tonnes d'herbes fraîches par an. Il faut savoir que lorsque l'usine de Gramiterm sera complètement chargée, nous en consommerons 40 à 45 000 tonnes d'herbes par an. Donc vous voyez qu'on ne va pas venir perturber la disponibilité d'herbes sur le marché, premièrement. Deuxièmement, par contre, je cherche plus de fibres et je cherche effectivement à monter plus rapidement des capacités de défibrage pour livrer la fibre d'herbe qui part dans nos machines. Et là, on est encore un petit peu au début et on a besoin de plus de capacités. Ensuite, première question que l'on a fréquemment, quand on a une pollution dans l'herbe, la fibre peut être utilisée, puisque par la technique de défibrage, on va séparer, comme je l'ai expliqué, le liquide du solide. Donc, toute la partie, comment dirais-je, riche, mais également certains polluants, vont partir dans l'extraction du jus d'herbe et la fibre d'herbe sera complètement nettoyée, propre, inerte et donc tout à fait prête à être en usage pour la fabrication de panneaux. Voilà. Donc après ça, c'est bien dans la partie liquide qu'il faudra regarder l'impact des polluants et voir si le liquide peut être utilisé en biogaz, en engrais ou dans d'autres applications, moyennant analyse de ces polluants. Chaque fois qu'il y a un site où il y a une disponibilité d'herbe, on peut regarder, faire un test avec nos labos et regarder le profil que l'on peut avoir. Indien we deze grasisolatiepanelen in de projectmarkt willen toepassen, zijn er ook inzichten en testen noodzakelijk op vlak van brandveiligheid. Ik denk dat aan brandreactie en brandweerstand zijn deze gegevens beschikbaar. Ja, ja. Antwoord is ja. Er is het is verplicht alle testen voor brandreactie enzovoort te doen. So, wij zijn, als ik heb gezegd, wij zijn Euroclass E. Dat is niet de top van de brandklasse, maar dat is goed voor een biobased product, panelen. En wij moeten testen alle panelen, alle weken. Wij nemen monsters en dat is getest door officiële labs. En er is geen andere manier. Wij moeten testen alle producties van Gramiterm. Oké, okay? So dat is verplicht, ja. En ook brandreactie E, dat is normaal voor een natuurpaneel. En als een beter reactie of klas nodig is, wij kunnen nemen folien per vapeur, wij zeggen, of andere accessoires, dat wij kunnen combineren met Gramiterm. En dan wij kunnen zijn met een Euroclass B. So, B is mogelijk met Gramiterm, maar met een combinatie van Gramiterm en andere accessoires en folie dat wij moeten in het gebouw installeren.
Ok, maar juist de Grammitherm-paneel wij zijn brandklas E en dat is getesteerd elke dag en voor alle productieslot. Merci Christian. Bon, nous allons continuer avec une question de Sophie Wegebart. Les étés passés ont été très secs, donc l'air pousse moins et on peut faire moins de récoltes. Cela pourrait-il causer des problèmes à l'usine en Belgique? Bon, écoutez, non. Pour l'instant, non, puisque on peut couper relativement tôt, on peut couper relativement tard. En fait, nous, le stockage tampon de notre matière première vient de l'ensilage. Donc, quand on a une année avec beaucoup d'herbe, eh bien, on coupe, il y en a de très grosses quantités d'herbe. Et comme toute cette herbe part en ensilage, il faut savoir également qu'une herbe, une fois ensilée, va monter en température, et vous avez cette fameuse réaction anaérobique de l'ensilage, qui fait que l'herbe, le matériau, va rester stable pendant 2 voire 3 années. Donc, on a des stocks ensilés qui permettent effectivement de passer largement un problème d'une extrême sécheresse l'année suivante. Voilà. Donc, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, je donne juste un exemple. La zone portuaire d'Amsterdam, donc le port d'Amsterdam, coupe chaque année 50 000 tonnes d'herbe non valorisées. Toute l'usine d'Auvelais, c'est, je vous l'ai dit, 40 000 tonnes quand on sera chargé à 3 équipes et qu'on travaillera samedi, dimanche, full speed. Donc, vous voyez que par rapport à tout le reste des disponibilités en herbe, il faudrait vraiment une sécheresse intense pendant une succession d'années pour qu'on n'ait pas accès à notre matière. Merci. Alors, on va terminer par une dernière question donc pour le projet New Zealand. Comment évitez-vous que vous transformiez des sites marginaux avec des services environnementaux et importants pour la biodiversité en sites productifs plutôt monofonctionnels? C'est-à-dire, vous appliquez quel cadre de biodiversité et les services environnementaux? Alors, je laisse la réponse à Aricia ou Béatrice, comme vous préférez. Je peux commencer éventuellement, Béatrice, tu complètes. Voilà, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est un enjeu qui n'est pas du tout écarté par l'équipe New Zealand ou même chaque partenaire. Donc, c'est une question centrale. C'est comment, avec la production de biomasse, on peut contribuer à améliorer et à éviter cet effondrement de la biodiversité. Donc, on s'informe beaucoup sur les effets des aménagements. Donc, plusieurs recherches, que ça soit au travers de thèses ou de TFE ou même nos propres recherches, on vise à voir l'impact et comment améliorer les aménagements végétaux. Donc, je vais déjà utiliser un premier critère, c'est que lorsqu'un site au départ montre ou est indiqué, référencé auprès des administrations comme à haute valeur de biodiversité, nous n'intervenons pas lorsque c'est officiel. Donc, il ne s'agit pas d'aller détruire des biotopes déjà installés. Ensuite, c'est lorsque, par exemple, on est plutôt sur des chancres paysagers, où là aussi, on peut avoir en effet des espèces herbacées qui se développent, mais qui ont un moindre intérêt, parce que biodiversité, vraiment, peut avoir beaucoup de sens. Donc, on peut avoir des sites d'intérêt pour certaines fleurs, par exemple, sur certaines espèces donc en flore, mais vous avez aussi la faune à considérer. Et donc, un choix peut convenir pour une certaine forme de biodiversité, mais moins convenir pour d'autres formes de biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement que nous prenons et que nous cherchons vraiment à ce que des institutions, des experts s'associent à nous, c'est que l'on souhaite, d'une part, viser des combinaisons d'espèces, d'aménagements sur sites marginaux. Donc, on veut vraiment informer que
on ne va pas vers des monocultures, on veut que ça soit des schémas intégrés. Donc, exemple, nous savons qu'en milieu agricole, ce sont des espèces spécifiques qui, notamment pour les oiseaux, qui sont menacées d'extinction. Donc, comment pouvons-nous combiner dans une production de biomasse des aménagements ou utiliser d'autres espèces pour faire revenir ces espèces-là, les protéger. Il en est de même pour les pollinisateurs. Donc, en effet, ici, avec la fauche, on va dire que c'est plus ou moins réglé, mais comment, par exemple, un site qui se prête bien, où la volonté serait de mettre, par exemple, du taillis à courte rotation ou du miscanthus, comment on peut entourer ou intégrer d'autres espèces florales là-dedans. On peut aussi s'imaginer des fauches tardives, donc tardives, mais qu'elles soient intéressantes d'un point de vue biologique, mais aussi pour la technologie biobasée utilisée. Donc là, il faudra aussi trouver des accords. Et ça existe, notamment une discussion sur l'usage des herbes de voirie également. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre aussi? C'est la fauche, ça a été démontré notamment sur, je reviens sur ces voiries, le fait d'aller faucher et de collecter, vous allez impacter le sol, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un appauvrissement du sol, ça peut être paradoxe, mais en fait, c'est là qu'on agit de nouveau sur une richesse spécifique qui va augmenter car on empêche une dominance d'adventices un peu plus pauvre, de nouveau favorable pour les pollinisateurs, entre autres. Un autre exemple concret, celui qui est notamment visé pour le site à Charleroi où il y a eu une première séance de rencontre, c'est de combiner en effet des espèces lignocellulosiques à l'aménagement d'une haie et continuer les couloirs écologiques existants ou même qui sont inexistants. Et donc, on réfléchit à des schémas intégrés. Il ne faut pas non plus oublier que les taillis, le miscanthus, les espèces ligneuses, en effet, on ne va pas attirer des pollinisateurs, mais on va quand même créer des zones refuges très intéressantes pour une certaine faune. Voilà, donc on recherche activement des experts, des institutions pour imaginer la production de biomasse de demain. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Aricia. Donc on va conclure par cette question, la séance de questions-réponses. Alors je vous rappelle qu'un récapitulatif des questions sera disponible après le webinaire. Donc on répondra aux questions qui n'ont pas pu être répondues par écrit. Je vous invite à répondre au sondage. Donc vous avez l'onglet sondage à côté de l'onglet questions. Je crois qu'il y a 4 questions. Voilà, ce serait super si vous pouviez y répondre sur la qualité de ce webinaire. Et je laisse la parole à Aricia pour conclure. Merci Sébastien. Merci à Christian pour cette présentation très, très enrichissante. Alors, quelques éléments de conclusion. On vous en a déjà parlé. New Zealand met à disposition différents outils. Donc, premièrement, vous avez une équipe à votre écoute. Deuxièmement, vous avez ce portail de géoréférencement, donc propriétaire terrien. N'hésitez pas à en faire usage, à en parler autour de vous. Faites connaître votre volonté d'imaginer une production de biomasse sur ces terrains. Au niveau des entreprises, pareil, utilisez ce portail, il est fait pour vous montrer votre volonté de pouvoir utiliser cette matière première qui serait issue des sites à potentiel de production et en plus localement. On vous a illustré ici plusieurs cas de figure où c'était réellement faisable, donc ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez aussi consulter déjà des sites qui ont été encodés. Sachez que certains n'ont pas encore été mis en version publique, donc contactez-nous si vous cherchez des sites dans une région particulière. Je vais laisser la parole à Béatrice pour éventuellement retraduire tout ça. Dankjewel Aricia. Dus voilà, we zijn aan het einde van het webinar gekomen.
En we willen jullie graag nogmaals uitnodigen om gebruik te maken van onze cartografische tool. Dus ga maar een kijkje nemen op de website, Site for Biomass. Daar kunt u alle informatie terugvinden. Deze tool kan u helpen om u zichtbaarder te maken als eigenaar of beheerder van een site met biomassa-productiepotentieel of ook als bedrijf op zoek naar biomassa. Ik zal het woord teruggeven aan Aricia. Alors, mais dernière petite chose, vous avez vu, peut-être d'autres ont pu participer aussi à la première séance de rencontre. Donc voilà, si vous êtes une entreprise comme Gramiterm, vous souhaitez favoriser ce genre de schéma de production de biomasse, n'hésitez pas à nous contacter. On peut s'imaginer une séance de rencontre dans votre entreprise. Il en est de même pour des propriétaires ou des gestionnaires fonciers. Voilà, les séances de rencontre sont possibles. Dus als u geïnteresseerd bent in het project New Zealand, dan mag u steeds met ons contact opnemen. Aarzel zeker niet. Wij kunnen dan verder gaan kijken samen met u hoe wij uw idee kunnen ondersteunen, wat wij kunnen doen met uw site. En bijvoorbeeld kunnen wij dan een ontmoetingssessie organiseren op uw site of op uw bedrijf. Il nous reste à vous dire que New Zealand sera présent aux rencontres de la biomasse organisées par Valbiome. Là, vous pourrez voir justement notre outil de géoréférencement. Il sera détaillé en long et en large par Sébastien Moreau, La Trace Sol et Daphné Andrec de Jean-Blois Agrobiotech. We nodigen jullie ook uit om deel te nemen, om u in te schrijven en deel te nemen aan het webinar Les 17e Rencontres de la Biomasse. Het webinar zal geleid worden door Valbiome en zal doorgaan op 20 oktober. Daar gaat u ook nog eens alle informatie te horen krijgen over georeferentie van sites met biomassa-productiepotentieel en biomassa-bedrijven. Dus via de cartografische tool van het Intrech-project New Zealand. Dus inschrijven zou ik zeggen. Voilà. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous demander encore quelques secondes pour répondre à notre enquête de satisfaction. Merci à vous pour votre intérêt. On est à votre disposition. Merci à Laurent Debatti pour avoir organisé tout cela également. Dans les coulisses. Merci et à très bientôt. Merci à tous les orateurs, donc Aricia, Christian et Béatrice. Et désolé pour le petit souci technique qu'on a eu tout à l'heure. J'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. Merci à tous. Bonne journée. Oké, nog even in het Nederlands. We willen jullie nog graag nu even de tijd vragen om onze tevredenheidsenquête in te vullen. Dus u kan die terugvinden via het knopje sondage rechts bovenaan het scherm. We willen jullie ook nog eens hartelijk bedanken voor jullie interesse en jullie participatie aan dit webinar. En hopelijk tot binnenkort. Un petit mot de remerciement de toute l'équipe Gramiterm. Donc, merci de nous avoir rendu visite. Danku el voru bezouk. Et puis, portez-vous bien et au plaisir de continuer à échanger avec tous ceux qui sont intéressés. Voilà, vive le biosourcé. Merci, New Zealand.